Alors, BMW a révélé les prix de sa i4 restylée. Voyons ce qu'il en est. Il n'y aura pas de bonus, évidemment, c'est pas étonnant, hein. Elle sera un peu chère pour avoir un bonus. 57 550 euros. Ah oui, quand même. Dans sa finition M-Sport, cette motorisation démarre à partir de 61 650 euros pour mémoire. Celle-ci embarque un moteur électrique de 286 chevaux et 400 Nm, ce qui permet de réaliser les 0 à 100 en 6 secondes. Ce qui est pas terrible, on va pas se mentir, pour une voiture à ce prix. Cette variante doit se contenter d'une batterie de 70,6 kWh brut, autonomie 496 km de WLTP. Alors, est-ce qu'il y a un tableau récapitulatif là des tarifs? Non, dommage. Alors, iDrive 40 et xDrive 40. La première affiche une puissance de 340 chevaux, 430 Nm. La seconde ajoute un autre moteur électrique pour un total de 401 chevaux, 600 Nm. Elle est alors chargée de combler le vide au-dessus de la version M50 xDrive. Et 5 secondes 6, le 0 à 100, ce qui n'est pas non plus percutant, quoi. Enfin, ça va, mais bon. Le prix va être stratosphérique de cette version, quoi. Les deux versions 40 embarquent une batterie de 83,9 kWh pour 600 km d'autonomie. Ouais, bof, c'est pas très bien placé niveau tarif, hein, quand même. Alors, certes, elle est très réussie, cette BMW i4. Mais malheureusement, ça se paye. Et ça se paye un peu trop, je trouve. Comparé avec Tesla ou même d'autres modèles un peu moins bien finis, mais beaucoup moins chers aussi, quoi. Dommage, dommage. Bon, bah, pas de bonus pour aucune i4. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop cher, non?